Oiseaux, ils ne voudront pas. Mais si, tu verras. Mais je te dis, mais ils voudront pas. Si je dis ça, je vais me faire engueuler. Mais tu leur expliques tranquillement, tu verras, ça passera déjà. Salut! Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on va nous faire un cours de cuisine comme la dernière fois, mais cette fois-ci, j'ai le saucisson! Alors oui, tout d'abord, on va se retrouver dans une vidéo blabla parce que j'ai 2-3 petites choses à dire et je fais pas comme à l'époque où j'attends 10 ans avant de l'annoncer. Bon, par contre, je vais pas ne rien faire, hein, je vais faire un petit bricolage, hein, vite fait, rapidement. Je prends quoi? Une toute faite déjà? Non, on va le faire. On va le faire jusqu'au bout, voyons Sherlock, on va le faire jusqu'au bout. Sérieux, personne veut du saucisson? Alors tout d'abord, les petites choses sur lesquelles je vais parler. Je vais notamment parler de mon projet que j'ai annoncé début d'année. Le projet, le fameux projet Top Secret. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez pu voir certaines images déjà. Voilà, c'est quelque chose, je le prends très à cœur. Hein. Le jour où il sortira, vous risquez d'être un petit peu perdu parce que ça n'a rien à voir avec le géocaching. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, c'est-à-dire les vidéos de jeux, tout ça. C'est quelque chose que je fais depuis l'âge de 5-6 ans. Voilà, donc cette année, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de partager ça sur YouTube. Le problème, c'est que, histoire de droit, je ne sais pas si je vais avoir le droit de le mettre en ligne. Bon, normalement, il n'y a rien qui, dirait non, mais sait-on jamais. Alors attends, en fait, je vais en prendre une autre. Ouais, je sais, il y a plein de boîtes de médoc là-dedans, mais je suis pas malade, vous inquiétez pas, je suis en très très bonne santé. Donc voilà, oui, comme j'ai dit, au sujet de mon projet, c'est quelque chose que ça me tient vraiment à cœur de le faire. On était 10 à plancher là-dessus. On aura trois dates pour lesquelles on va devoir présenter ce projet. Voilà, donc j'espère qu'un jour je vais pouvoir aussi le présenter publiquement sur internet. On verra bien. Ah, ça se coupe mal cette connerie là. En attendant, il faut que je demande encore. En attendant, je vais laisser passer ces trois dates et ensuite je verrai ce que je peux faire. Le cas échéant, si ça ne fonctionne pas, si je n'ai pas les droits, j'aurai au moins sûrement le droit d'y mettre un extrait. Hein. Je sais que même si t'as un truc privé, t'as le droit de mettre un extrait. Je le sais, je connais mes droits. Je connais le code pénal, je connais le code postal, je connais le code de la route. Sinon, au niveau de la série, on est quoi à l'épisode 44. Le 45 va bientôt sortir, hein, vous inquiétez pas. Je vais avoir un petit peu plus de temps à partir de cet été, à partir de début août. Début août, j'aurai un petit peu plus de temps, donc on va passer de une vidéo par semaine à peut-être deux, voire peut-être trois, si je me transforme en Super Saiyan. Mais en tout cas, pour l'épisode 50, qui marquera la fin de la série de 10, je vous réserve un gros truc, un très gros truc. Faut juste maintenant que j'attende mon ordre de mission, faut que j'aille au QG, quoi, c'est tout. Mais en attendant, on a encore 5 épisodes à faire avant. Voilà, à raison d'un épisode par semaine, l'épisode 50 devrait sortir au courant du mois de juillet. Par ailleurs, il faut que je le dise. Bah oui, parce que sinon je vois pas pourquoi je fais cette vidéo. Le 15 juin, il va se passer quelque chose. Le 15 juin, qu'est-ce qui va se passer? Le 15 juin, eh bien j'aurai fait mon lustre sur YouTube. C'est-à-dire que j'aurai parcouru 5 années de vidéos sur YouTube. Voilà, c'est un anniversaire et à cette occasion, je vais annoncer un live, un direct. Tout le monde est invité, voilà, tout le monde. Ceux qui me suivent de la génération des jeux, hein, que je faisais avant Geocaching, vous allez être super contents. Et ceux qui me suivent depuis Geocaching, vous allez être contents. On aura juste le temps d'observer ce qui se passe, voilà, c'est tout. J'en dis rien de plus pour l'instant, si ce n'est le fait que ce sera un direct ou on pourra parler ensemble, on se fera des jeux, enfin j'ai déjà mon programme, voilà, seulement je sais qu'à la fin je vais être traumatisé encore une fois. Où est la graffeuse? Oh putain, elle est là-bas. Mais le truc, c'est que le 15 juin, j'ai vérifié, c'est un vendredi,
Donc on fera ça le samedi, ce sera le samedi soir, on démarrera vers 20h, le samedi soir ce sera un peu plus tranquille pour moi aussi, on démarrera à 20h, ça durera, mettez un créneau de 3h, je pense que 3h ça devrait être acceptable, voilà, vous oubliez pas les poissons. Hein. Hey, moi j'ai le saucisson, hein. Donc voilà pour ce qui va se passer le 15 juin, je ferai d'ailleurs encore une annonce avant. Ah bah non, mince, attends, le 15 juin c'est dans plus longtemps là. Bah l'annonce c'est celle-là, voilà, l'annonce c'est celle-là, tout à fait. Maintenant, un petit truc qui va énerver tout le monde, même moi ça me frustre un petit peu, mais j'ai pas d'autre solution que de faire ça. Il y a pas longtemps, j'ai ouvert une page Tipeee. Tipeee, pour ceux qui savent pas ce que c'est une page où tu peux faire des dons pour remercier quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Notamment aux mecs des chantiers qui construisent des routes depuis tout ce temps. Donc voilà, j'ai fait une page Tipeee. Alors je ne réclame pas l'argent, hein. J'ai un boulot, je gagne des sous-sous tous les mois. Voilà, faut pas le prendre du mauvais côté. J'ai fait ça tout simplement dans le but de, comment dire, d'accepter des remerciements. Je sais pas trop comment l'annoncer là. En fait, ça me frustre un petit peu parce que ça me fait peut-être passer pour quelqu'un qui réclame du fric et tout. Je ne veux pas d'argent. Et si vous m'en envoyez, c'est pas interdit. C'est écrit dans le code pénal, bordel. Et je connais le code postal. Et le code barre aussi. Le code barre, ça, monsieur, j'avais pas vu. En fait, tout simplement parce que de temps en temps, quand tu, enfin moi-même, hein, à titre d'expérience, quand tu es content de quelqu'un, quand tu l'aimes bien, quand tu aimes bien ce qu'il fait, t'as tendance à vouloir lui dire putain, j'aimerais lui faire un cadeau. Je lui envoie une télé plasma, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, pour le moment, il y a vraiment que ce système d'argent qui fonctionne, c'est-à-dire les donations, il y a vraiment que ça. Je vais d'abord mettre le logbook. Hein. Il y a vraiment pour l'instant que ce moyen. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis une page Tipeee. De toute manière, si vous cliquez sur la page qui est sur l'accueil de ma chaîne, putain, on va s'en sortir. Il y aura tout le paplard qui sera expliqué, ce pourquoi j'ai ouvert une chaîne. Une chaîne de vélo. C'est pourquoi j'ai ouvert une page Tipeee et tout, voilà, tout est déjà expliqué, mais en tout cas, je ne passe pas pour le fisc, hein, ne vous sentez pas obligé d'envoyer de l'argent, ok? L'argent, c'est ce qui permet de vivre actuellement, ce qui est un petit peu logique, et aussi l'eau, mais parce qu'il faut boire, hein, parce que si tu bois pas, t'es mort. Hein. Et puis voilà, et donc à titre de remerciement, clairement, j'annoncerai le nom de ceux qui ont fait un tip, ça s'appelle un tip, d'où le nom Tipeee. Voilà, donc c'est à vous de voir quoi. Si vous voulez m'envoyer un truc, allez-y, sinon, n'oubliez pas, j'ai un boulot, je gagne des sous-sous tous les mois, d'accord? Voilà, je viens de créer un pétard. Non, en fait, ce sera une cache qui sera dans un tube. Ouais, un tube, une structure, et en fait faudra juste tirer pour que ça arrive, sinon on la verra. Ça fera une sorte de bonne planque, hein. Bon, bah j'ai fait mon pétard, je peux devenir artificier, je viens de passer d'inapte à hyper débutant, c'est génial. La communauté est en train de gonfler petit à petit, c'est bien, c'est chouette, merci beaucoup. Bon, par contre, je ne sais pas si les nouvelles personnes qui viennent d'arriver se sont abonnées grâce au jeu ou grâce au geocaching, en fait. Encore une fois, je le dis et je le répète, les jeux seront terminés sur cette chaîne. Je ne ferai plus jamais de jeux en vidéo, ok? Une dernière petite chose, peut-être à rigueur. Quand j'avais parlé des directs, des lives geocaching, c'est-à-dire que j'irai dehors et puis on cherchera une boîte tous ensemble, il faut que je vois parce qu'avec le téléphone c'est hyper compliqué. Hier même j'ai fait un essai, il a envoyé une dizaine de petits lives de 2 secondes, j'ai rien compris, mais ça reste toujours d'actualité, hein. J'ai toujours envie de sortir et puis qu'on se fasse une aventure tous ensemble, voilà. Bon, et bien voilà, mon speech est terminé, j'espère que je vous ai pas fait dormir trop longtemps. On se retrouvera très prochainement pour le 45e épisode. Pour l'instant, je le dis, hein, c'est un épisode par semaine, j'arrive pas à aller au-delà, faute de temps. En fait, je bosse du mardi au samedi.
Donc le samedi soir, je fais dodo, hein, clairement, je suis pété. Hein. Le dimanche, je fais l'épisode et dans la soirée, je commence à faire les montages. Le lundi, c'est les conversions et le lundi après-midi, c'est la mise en ligne. Donc, grosso modo, j'ai juste du temps libre le lundi après-midi, c'est tout. Et le lundi, justement, bah, c'est l'heure du projet, mais là, comme il est sur le point d'aboutir, eh ben, justement, j'aurai plus de temps. On va essayer de pousser déjà les vidéos à 2 épisodes par semaine, voilà. Bon, et bien, puisque personne n'a voulu du saucisson, moi, je remballe tout. Je vous dis à tous à la prochaine. Merci de me suivre, pour ceux qui me suivent de très près. Merci à vous, hein, c'est génial, ça fait plaisir. J'aime toujours sortir des épisodes et d'avoir des vidéologues, voilà, des vidéologues, des commentaires aussi pertinents, aussi rapidement, c'est génial. Les messages d'encouragement, c'est génial aussi. N'hésitez pas à me dire du négatif aussi, hein, s'il y a un truc qui va pas, dites-le moi, que je puisse le rectifier rapidement. Voilà, voilà. Ne balancez pas que des fleurs, lancez-moi aussi des orties de temps en temps. Bon, allez, sur ce, je... Non, c'est bon, il est pas là. Sur ce, bah, à la prochaine, et puis ne faites pas les choses qu'on n'aurait pas qu'on fasse, et puis... Oh, un poivron! Qui veut un poivron?